votre JT des produits de bourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, vendredi, on retrouve Adidas, le spécialiste allemand des articles et équipements de sport, a révisé à la baisse ses objectifs de rentabilité pour l'exercice en cours pénalisé par la chute des ventes en Chine. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre Evise, 162,30€ et 155,80€. Veolia Environnement, le groupe de services aux collectivités Suez, ont signé un accord en vue de l'acquisition par Suez de l'ensemble des actifs déchets dangereux en France. Les actifs représentent une valeur d'entreprise de 690 millions d'euros. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre Evise 30,30€ et 32€. On passe à la stratégie du jour. Il s'agit de Crédit Agricole. Le titre et sous pression après s'être confronté à la résistance horizontale des 10,65€ et à sa moyenne mobile à 50 séances. En outre, l'indicateur de tension RSI a renforcé une oblique haussière en place depuis le mois de mars. Ainsi, tant que les 10,65€ ne sont pas franchis en clôture, une poursuite de la correction est anticipée vers 9,04€ dans un premier temps, puis 8,95€ en extension. Portez-vous à l'achat sur Laurent Pout. F523T, émis par UniCredit, de prix d'exercice 9€ et de maturité au 15 juin 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, l'enfoncement de la borne basse du canal de consolidation de court terme fragilise la configuration du CAC 40. Tant que la résistance à 6560 points n'est pas dépassée, le risque baissier domine vers les 6000 points. Portez-vous à l'achat sur la rampoute H051T, émis par UniCredit, de prix d'exercice 6125 points de maturité au 16 septembre 2022 à New York. Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.